Salut, salut les amis. Hello mon Pascal Ounet. Hop, j'ai partagé. Oui, non, je ne sais plus. On va se connecter un petit peu sur le vide bureau. On est lundi et le lundi, il faut bosser. Non, 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 mais bon, si tu t'étais dit que ça y est, c'est les vacances sont finies, c'est la reprise, les enfants sont partis à l'école, voilà, ça c'est parti. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Est-ce que le son est bon? La bonne question, c'est ça. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la musique d'ambiance en dessous n'est pas trop forte? La musique du générique. Ah, bah, j'ai réussi à m'incruster dans le générique, donc c'est bien. Bon, tu as vu ici, c'est marqué pendant le... Non, c'est ici. Pendant le live, envoie-moi tes images en MP. En fait, c'est... Oui, pendant le live, mais il faut que tu te déconnectes. Parce que sinon, ça ne m'ira pas. Alors, cette caméra, je ne l'ai pas mise tout à fait en face de moi, c'est pas grave. Ok. Qui est là? J'ai vu qu'il y avait Leïla, il y avait Mastou, il y avait Pascal, il y avait Hardy Loïc. Ah, un revenant. Hardy Loïc, ça veut dire que quand c'est tôt comme ça, c'est bon pour toi. Ok, ben écoute, on va faire le nécessaire. Il y a Chamalo, il y a Eva. Salut Eva, Eva sur la route. Voilà, voilà. Ici, bien sûr, toujours pareil. Ah, il faut que je me mette un peu comme ça. Voilà, donc ici, tu as... Ah, c'est bizarre, les trucs en vert passent au travers. Là, je vois qui est là. Oui, on sent Jai, tu as raison, tu as raison. Delphine Munoz aussi qui est là. Bah oui, j'ai voulu faire ça aussi à une heure un petit peu différente pour qu'on ait un petit peu plus de monde différent. Voilà, voilà. Donc, tu sais que le Skype est ouvert. Je te parle dans le micro qui est là. Attends, le micro est énorme. Tu vas voir que le micro, il est presque aussi gros que ma tête. Blue Yeti. J'ai pris Blue parce que voilà. Tu peux m'envoyer des images ici sur le Skype. Ça passe en direct. Tu peux m'appeler au téléphone. Téléphone est là. Donc, tout est prêt. Tout est OK. Et j'ai même le casque pour t'écouter quand tu vas me parler. Ça, c'est important parce que l'autre jour, je ne l'avais pas mis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, quand je l'ai branché pendant le live, ça s'est coupé. Voilà, voilà. En fait, tu es en RTT. Eh bien, profite bien, mon ami Hardy. Tu es en RTT. Tu as joué ce week-end? Eh oui, Hardy, musicien. Ce casque, j'ai changé. Hein. J'ai pris le casque du Trekker X4. Alors, une petite chose à dire, c'est que le câble du casque, c'est la même chose que le chargeur. C'est-à-dire, on sent que c'est du solide. Et deuxièmement, il y a une petite étiquette en bas, là, j'ai lu dessus. Le casque est waterproof. Alors là, franchement, je dis bravo. D'ailleurs, je ne sais pas où est gauche ou où est droite. Écrivez plus petit, les garçons. Gauche et droite, ça va faire comme ça. Voilà, nickel. Voilà, merci Mastou de m'avoir dit que le son était OK. Bon, écoute, ne t'ennuie pas. Prends ton petit café, de sucre pour moi, et puis on dit petit, quoi. Allez, je voulais changer de caméra, passer sur la double, elle est ici. Bof, voilà, voilà. Donc, j'ai décidé cette semaine de faire la matinale avec... Salut Manono, comment tu vas? Le matin, mais oui, le matin, entre 5h et 7h30, Hardy, tu es en RTT? Ou tu as joué? Non. Non, mais raconte-moi, dis-moi ce que tu as fait entre 5h et 7h30. Je suis curieux de savoir ce que tu as fait. En attendant, je bois mon café. Un jour, on fera un live devant mon piano. Mais bien sûr, alors si c'est ça, mon ami, mais absolument, absolument. En plus, j'ai rêvé de ça cette nuit. Non, je ne déconne pas, c'est la vérité. Non, ce que je viens de faire là est ni fait ni à faire. J'ai posé ma tasse de café sur le Mac. Alors ça, les aficionados savent que... Attends, j'essaye de... Voilà, je rectifie un petit peu parce que j'ai du moirage sur le fond vert. Les gens qui connaissent savent que ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire. Salut Olivier. Non, je suis disponible plus tôt le matin. D'accord. Eh bien, écoute, on essaie de se faire ça. De toute façon, moi, je suis capable de faire une matinale à 5 heures du matin. Déjà pour une raison, je sais qu'à la run, il est 3 heures de plus, donc il sera 8 heures à la run, donc il y aura les agrumes. Et si tu me fais le plaisir de jouer au piano à 5 heures du matin, alors là, mon ami, là, on est, là, c'est quelque chose. J'ai rêvé de ça cette nuit. En fait, je rêvais de pouvoir faire ce que j'avais vu à Barcelone en 5G, de pouvoir jouer avec quelqu'un via le réseau. C'est-à-dire qu'on se met sur Skype comme ça, et puis on chante à deux. Mais j'avais le doute. En fait, je me suis rendormi sur le fait, est-ce que Skype est bidirectionnel? Voilà, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle, ça coupe le son de l'autre. Salut mon Pascal qui dit qu'on est 11487. Eh bien oui, on y va tout doucement. 7 et 3, 10, 90, ça nous fait 10 de plus, ça fait 13 personnes pour arriver à 11500. Je pense qu'on peut le faire, non? Franchement. Bon, alors ici, j'aime bien ici parce que c'est mon e-bureau. Et sur le e-bureau, j'aime bien parce que j'ai tous mes amis qui sont là-bas. Et je vois que je n'ai que deux amis qui sont au travail déjà. Peut-être aussi en télétravail, remarque.
Dans les mails, je regarde qu'est-ce qui est là. Je suis sur la route pour aller bosser. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Ça, c'est. Ah, tu ne sais pas si tes voisins seront contents. Eh bien, c'est pas grave, on le fait le soir. Le soir aussi, on peut faire un truc. Joyeux anniversaire aux agrumes du jour. Merci, 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 Mastou. Hop, on y va. C'est parti pour les anniversaires. Voilà, aujourd'hui, on est le 11 mars. C'est encore les poissons. Joyeux anniversaire à Face to Face, à Eline Marquez, à Florian Bessière. Ça, c'est la première équipe. Je sors de là, je sors de là. Je vais ici, je vais là. La deuxième équipe, on y retourne. Joyeux anniversaire à Med Aminait, à Bruno Heiler, à Ma Escobar Gary Oidini. Ça, c'est du pseudo, ça. À Bastien Lignac, à Lismé Grondin, Lismé là-bas du côté de la Run. Et oui, je sais que tous les jours on parle de la Run parce qu'il y a quelqu'un de la Run aujourd'hui, c'est Lismé. Je te fais un gros gros bisou, Lismé. On s'est déjà vu ben, à la Run et on s'est vu aussi à Paris. Et je t'ai dit, chaque fois que quelqu'un de la Run vient, s'il te plaît, fais-moi signe, on se fait un after VIP, qu'on se rencontre dans la vraie vie. Gros bisous à toi, joyeux anniversaire à Alicia Olmeta, à Alexandre Graff, à Audrey Richter-Birnte. Écoute, c'est écrit comme ça. Hein. Bon, Audrey, on va dire. À Nathalie Lebrun. Alors, Nathalie Lebrun, oui. Je peux. C'est un joyeux anniversaire à Nathalie Lebrun. Pourquoi? Parce que si tu veux ça, là, le t-shirt de l'Armor Cup, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés, que j'ai rencontré Nathalie Lebrun. C'est-à-dire, bah, c'était l'année dernière à l'Armor Cup. Et j'espère qu'on se retrouvera cette année aussi. L'Armor Cup qui démarre, qui sera donc le jour de la fête de la musique, vendredi 21, 22, 23 juin. Ça sera la Trinité-sur-Mer. Yes, l'occasion de passer un petit teasing comme ça. Et j'y serai, I'll be there. Joyeux anniversaire à Christine Loret, à Jérémy Athias, à Ludovic GTTE, à Romain Le Padelec et à Blachon Denis. Voilà, ce sont les anniversaires du jour. Les amis, vous prenez un an de plus. Eh bien, écoute, hein, on ne peut que vous féliciter. De toute façon, hop, je reviens sur le 1. Voilà, je reviens là-dessus. Et puis, c'est comme ça. Linda, je sais que tu étais à fête hier. Ah, Bruno est là. Salut, Bruno. C'est ton anniversaire. Des bises et des bulles. J'ai la voix cassée ou quoi? Pourtant, je n'ai pas chanté. C'est quoi ce désordre? Bon, enfin, bref. Il y a Rosemary qui est là. Bon, Rosemary, Pascal, ça fait déjà deux représentants du côté de Nice. C'est super, je suis content. Tu sais ce que c'est, hein? C'est la matinale des agrumes pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est là où, voilà, tu as l'occasion de boire un petit café. On a l'occasion de boire un petit café tous ensemble. Et je te rappelle que l'image que tu vois dans le fond, ici, l'image que tu as derrière moi, c'est un extrait du tableau d'Amar l'aveugle. Alors, ceux qui le connaissent, Amar, vous lui mettez un truc, il dit, Christophe, il a pété un câble, il met ton tableau en fond d'écran quand il fait ses matinales. Ouais, j'ai décidé comme ça de mettre un petit peu de tout en fond d'écran. Voilà, ça me fait changer un petit peu de mon mur gris. Bientôt dans l'Est pour arroser ça. Ben avec plaisir, si tu m'invites, je viens. Je rappelle et je dis que je suis OK pour venir faire des matinales chez toi. Je me suis arrêté parce que dès que je dis OK, le truc, il se met à faire tout de suite comme si j'avais dit OK, tu vois ce que je veux dire? Et je n'aime pas trop ça. Hein. Tu te calmes, toi, hein, mon hôte. Ouais, donc si tu m'invites, si tu me dis en MP, écoute Christophe, je sens que tu peux venir me faire une matinale à tel moment, tel jour, telle heure, hop, je me cale et je viens. En fait, j'ai pas beaucoup d'invitations. Alors, dans les boutiques, je m'impose un petit peu. Encore que, comme je veux pas embêter les gens, je veux pas arriver en boutique comme ça, comme un pavé dans la mare. Je souhaite arriver, que ce soit arrangé, pour faire le truc un peu avant l'ouverture. Hein, donc, n'hésite pas à m'inviter, on parle de ça en MP, et moi je cale ça sur mon planning, et j'arrive à fond les gamelles. Merci Jeanne, bonjour à toi. Attends, bouge pas, qu'est-ce qu'elle nous a mis Jeanne? Mais attends, j'ai fait une connerie. Ah, mais voilà, tout à fait. Alors, comment je fais? J'appuie ici. Jeanne qui nous met. C'est l'heure du café, c'est plaisir de partager avec vous. Merci Jeanne, ça pourrait même aller en fond d'écran quand je fais mon truc. Voilà, donc café avec deux sucres pour moi, s'il te plaît. Non, non, mais je le dis. Je le dis parce que j'aime ça comme ça. En fait, le lundi, j'ai souvent besoin d'un petit coup de boost, donc je mets deux sucres. Voilà. Qui est-ce qui est avec nous? Pascal Favier, salut à toi, bienvenue dans la matinale des agrumes. Jacques Viès qui est là. Pierre de Maison. Rosemary, je l'ai vu. Laetitia. Ah, Manono est là. Pascal, 14 personnes. Ok, bon, très très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au courant de la matinale? Ben, on peut parler de tout ce qui s'est passé de ton week-end, que j'espère qui a été au top, quoi. Parce que bon, moi, je suis pour que tu t'en profites. Même si le week-end a été quand même relativement porteur de mauvaises nouvelles avec trois accidents d'avion.
c'est pas hein, bon, bah, on a Égyptienne avec 157 personnes disparues, les 500 à bord d'Air France qui sont revenus avec un moteur en moins, et celui je sais plus, Turkish Airlines, où ils ont traversé une bon ben bah, voilà quoi, c'est chaud. Et pourtant on dit que c'est le moyen de locomotion le plus sûr. Bon, ceci dit, il faut toujours faire un petit peu attention. Je regarde un petit peu sur les modos de quoi on a parlé. Qu'est-ce que les modos? Alors, on est en train de vous préparer une nouvelle charte un peu différente. Et allez, t'es à Sheldon en avant-première. C'est parce que c'est toi, c'est parce qu'aujourd'hui je me sens gentil. Regarde, voilà, regarde ce qu'il y a là, c'est ça. On est en train de préparer ça, tu vois, c'est tous les modos. J'espère que c'est la bonne. Oui, voilà. On a fait un petit peu une espèce de patchwork avec tous les modos en photo pour te montrer qui est qui et qui a vidéo en MP pour te convaincre. Qu'est-ce que tu me dis? Ok. Voilà. Donc là, c'est tous les modos. On est en train de te préparer ça. Bon, ça fait partie des choses, des préparatifs qu'on fait en avance. Hop, je reviens là-dessus. En modération, non, on n'a pas eu grand-chose. Ah oui, il y a eu une signalisation d'une collègue qui a dit que, je ne sais pas si tu te souviens, le poste de Max sur le LGBT. Bon, je n'ai même plus de quoi que parler le poste. Et il y a quelqu'un qui a dit derrière, bah, on s'en fout. Et elle l'a signalé en disant, c'est inadmissible que voilà que quelqu'un peut écrire ça. Alors, bon, ce n'était pas hors charte, hein, mais il n'est pas tolérant à partir du moment où il reste, voilà, que ce ne soit pas insultant. Voilà. Mais alors, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, c'est pas normal. On ne veut pas rentrer trop dans ce truc. Le gars, enfin, on lui a dit, ça fait déjà 2 fois qu'on en parle, c'est bon. Donc Sandrine avait dit ça, on lui a répondu que ce n'était pas hors charte, mais qu'on l'avait rappelé quand même que ben, le groupe 1 n'était pas un groupe orange, parce qu'il disait qu'est-ce que ça a à faire là, au milieu d'un groupe orange, de parler de ça. Ben, ça a à faire là que c'est un groupe privé et on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'était pour la modération. Alors je sais pas, Mastou a dit qu'elle était sur la route, elle ne peut pas parler. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler de la modération. J'ai vu Pascal, tu disais quelque chose. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Bonne journée les actes. Merci Christophe, Bruno. Joli polo, oui, c'est le polo de l'Armor Cup. Oh, ben, je ne l'ai pas bien repassé. Tu sais, moi, je ne suis pas très fort au repassage. J'aime bien cette couleur. En plus, elle va bien avec le tableau derrière. Hello de Paname, bientôt dans l'Est. Pascal, si je t'envoie une de mes photos noires et blanches, tu la mets en fond d'écran. Ben, écoute, Pascal, si tu m'envoies en message privé, une de tes photos en noir et blanc, il y a de fortes chances que je la mette à partir du moment où ta photo respecte, comment dirais-je? Mais évidemment, si tu mets une femme nue, non. Ou alors, je ne sais pas, comme je suis en incrustation, admettons que ce soit, que je puisse cacher avec mon être, ce que tu veux cacher. Et puis je te rappelle, Pascal, on est sur ma page perso, là. Donc effectivement, on peut se permettre des choses un petit peu plus que truc. Peut-être que pour partager sur la communauté des agrumes, ça sera un petit peu plus difficile. Mais n'hésite pas. Envoie, envoie. Jeanne me dit, je t'invite à une matinale vidéo en MP pour te convaincre. Alors, je ne sais pas de quoi tu veux me convaincre, ma petite Jeanne. Je ne sais pas. Mais enfin, vas-y, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Invite-moi, invite-moi. Allez, je retourne sur le groupe pour voir ce qui s'est passé. Déjà, j'avais une chose à te montrer. Parce que maintenant, ce que je fais. Voilà. Bon, non, ça, je peux te le montrer directement. Je peux te montrer ça. On parle beaucoup des équipements qui sont un peu attaqués. Et je voulais te montrer ça qui est dommage réseau. Hein, donc, on connaît dommage réseau sur. On connaît dommage réseau sur l'application que tu as. Dommage réseau, d'ailleurs, je dois l'avoir sur mon précieux. Hein, mais on ne connaît pas assez ça. C'est un site internet qui s'appelle dommage au pluriel-réseau.orange.fr. Et là-dessus, tu peux faire la même chose que sur dommage réseau. Si tu es abonné Orange, en plus, tu peux t'identifier. Mais tu peux signaler un équipement Orange endommagé. Tu vois, regarde ce qu'il y a dessus. Poteau cassé, penché, câble décroché, arraché, armoire ouverte ou détériorée. Remplissez ce formulaire pour le signaler Orange. Certains équipements sont encore marqués France Télécom. Voilà. Tu remplis ça. A priori, tu n'as pas besoin d'être client Orange. Tu peux le faire. Donc, faites tourner le truc par rapport au machin. La saisie estimée à 5 minutes grand maximum. Tu peux même faire une photo quand tu es avec ton téléphone. Parce que ça s'appelle dommage-réseau-orange.fr. En fait, c'est même pas une application, c'est que c'est une web app. Si tu écris cette adresse dans ton téléphone, ça va y aller directement.
Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que bon, ça peut. Bon, il y a deux choses. La première des choses, c'est que j'aimerais que ce service-là, qu'on puisse le tester. Parce que moi, j'en ai fait un test il y a 2 ans et j'avais trouvé ça. En fait, c'est simple. J'avais signalé une armoire dans la rue, pas loin de chez moi, à côté de mon boulanger, qui était ouverte. J'ai signalé photo, la rue et tout. C'était le samedi. Le lundi, quelqu'un m'appelle en disant est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur l'adresse? Parce que bon, voilà, donc je lui donne les précisions. Ok. L'après-midi même, je reçois un truc, c'est pris en compte. 2 jours après, c'est réglé. Ok, je dis putain, Orange, au top. Hein, dommage réseau, au top. Sauf que je repasse devant l'armoire le samedi d'après. Merde, misère et boule de gomme. Y aurait-il quelqu'un qui aurait eu une combine pour bousiller les trucs d'Orange? L'affaire était dans la même situation. Qu'est-ce qu'il fait, le totof? Il resignale. Je resignale. Alors là, je n'ai pas eu le même truc, c'est-à-dire on ne m'a rien dit, même pas ça a été pris en compte ou quoi, et c'est resté comme ça, ouvert au moins pendant un mois. Voilà. Donc je me disais, c'est pas clean tout ça, hein, voilà. J'aimerais bien qu'on puisse tester ça et qu'on puisse savoir vraiment si le fait de signaliser existe, et bien autant que ça fonctionne. Hein, tu es d'accord avec moi? D'accord. Allez, hop, je repars ici pour te montrer ça, afficher la photo. Tac. Alors ça, c'est la nouvelle bannière des agrumes. Alors elle n'a pas beaucoup changé. Pas énormément changé, c'est simplement que voilà, de plus en plus, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, qui est très 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 difficile à retenir, devient la communauté des agrumes. Voilà, que ça soit bien, voilà, et voilà, c'est établi maintenant, c'est le premier réseau social des salariés d'Orange et des filiales. Alors, attention à ne pas confondre avec Plaza. Là, ce que je mets, ça veut dire réseau social privé. Alors, j'aurais bien à rajouter privé, premier réseau social, Plaza étant un réseau social d'entreprise. Je ne sais pas si tu vois l'entreprise. Là, c'est ARS, là-bas, c'est RSE. Alors, je voulais te la montrer, je suis content de la voir. Bon, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai rajouté du blanc, du noir. J'ai enlevé 2-3 bricoles à gauche et à droite. Enfin, bon, ben, voilà, c'est le nouveau. J'ai surtout bien galéré pour faire en sorte que. Attends, je te le montre ici. Pour faire en sorte que ça paraît. Parce qu'il y a un truc, hein, c'est que le truc, moi, je travaille sur écran d'ordinateur. Lorsque tu le passes sur le iPad, ça change, et lorsque tu le packs sur un téléphone, ça change aussi. Alors, je peux te dire que j'ai galéré pour faire devenir ça correct. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Alors, j'ai vu. Christophe Dijoux est là. Salut Christophe, comment tu vas? Jeanne qui coucou mon Bubu. Tu reprends Bubu aujourd'hui? André Philippe qui dit coucou Bubu. Priscilla, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Mais c'est bien, je crois, de changer l'heure comme ça de temps en temps. Franchement, je crois que il faut même que j'arrive à la faire à 6h du matin. Et oui, comme ça on a des collègues nouveaux qui arrivent. André, l'application est mieux, toujours sur soi, te géolocalise et surtout tu peux ajouter des photos. Tu as tout à fait raison, André, sauf que c'est une web app. Ça veut dire que l'adresse que j'ai donnée, la dommage au pluriel-réseau au pluriel.orange.fr, c'est valable aussi sur le truc. Mais bon, je voulais en parler à partir du PC parce que ça m'ennuyait de mettre le. C'est pas que ça m'ennuyait, c'est que je ne sais pas faire. L'Android, je ne sais pas comment le passer dans le logiciel. Enfin, bon, voilà. Dommage-réseau, il faut le faire. Alors, Nono qui dit bonne journée à tous et bon courage. Vas-y, ma Nono, profite bien de ta journée. En tout cas, travaille, on sait que voilà. Regarde TMP. Christophe, regarde TMP. OK. MP. Ben, je vois rien. Je vois le café. Bon, d'accord. André, on ne peut pas reprocher aux gens de parler librement du moment que c'est fait dans le respect et la bienveillance. Dès que quelque chose risque de dégénérer, on surveille tout simplement et on n'hésite pas à contacter l'auteur d'un commentaire en MP si ce dernier peut être sujet à polémique. Chacun est responsable de ce qu'il poste. Voilà. J'aime bien parce que, je ne sais pas si tu vois, depuis un moment déjà, les modos de la communauté des agrumes sont indépendants, c'est-à-dire que ce qui enlève, ce qui imagine, c'est eux qui le font. De temps en temps, on échange dessus, mais j'aime bien parce que en fait, c'est eux qui expliquent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être ressenti comme une brimade ou quelque chose comme ça. C'est eux qui expliquent. Et c'est vrai que moi, par contre, je reçois beaucoup de MP, de gens qui me disent ouais, j'ai eu ça, j'ai eu ci. Alors attention. Je vais passer sur le iPad, ici comme ça, et je vais passer sur ce que m'a envoyé. Voilà. Ça, c'est... Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le son de ça. Non, j'ai pas de son. J'ai pas de son. Attends, je mets ça. Non, il n'y a pas de son. Mais, merde. Voilà. Ça, c'est un petit bout de un petit bout de truc que m'a envoyé. Je te mets en direct, hein. Oh là là. Ça,
Ça, c'est Bubu. Alors, juste avant la plage, c'était Jeanne. Merci, Jeanne. Je ne sais pas si le son des vidéos passe quand je partage comme ça. Bon, en tout cas, et puis le Mac, il souffle. J'ai décidé d'emmener le Mac en réparation cette semaine. Pour tout te dire, mon Mac a 5 ans, 2012, 5 et 2, 7. Non! Il est fin 2012, donc il a. Oh! 2013, on va dire. Il a 6 ans. Il fonctionne à peu près bien. Sauf que tu l'entends pas, mais il souffle. Alors, c'est vrai que le logiciel est gourmand en ressources. Il souffle et il a gonflé. Donc, je vais l'emmener cette semaine pour changer la batterie en espérant que ça s'arrange. Mais sinon, Orange Bank, crédit, achat de notre Mac. Non, non, mais je te le dis. Comme ça, c'est clair. Merci, Bubu, hein. Voilà, Bubu, ce qu'il nous donne, la part de gâteau qu'il vient de s'acheter. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est comme gâteau, ça. C'est bizarre. Bubu, tu peux pas manger les croissants ou le chocolatine comme les autres? Franchement. Voilà. Ok, on en revient au groupe. Alors, 11 487 membres, ça, c'était dit. Alors, je pousse. Ça, c'est quoi, Christine? Ah, voilà, très bien. Christine qui nous dit bonne fête à toutes les Rosines. Rosine, c'est un prénom, voire même un nom qu'il y a beaucoup aux Antilles. Donc, bonne fête à toutes les Rosines. C'est quoi ça? Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait un mec en. Voilà. Sainte Rosine, vénérée dans le diocèse d'Augsbourg. Voilà. Donc, j'aime bien. Christine, elle nous fait comme. Comment on appelle ça? Le truc, l'almanach. Elle nous dit ce qu'il y a eu le 11 mars. L'inauguration du métro parisien. Et tout. La brioche, d'accord. La brioche maison. Ah, c'est une brioche maison. Mais bien sûr, mon petit. Hein, Bubu. Procès. Ah, d'accord. Ce matin, pensez pour le patron parce que le procès commence. Procès au tapis. Donc voilà, bah, on est là. On croise les doigts hein, pour le patron, hein, pour le boss. Quand tu vois les sommes, tu as envie de pleurer. Hein. Quoi? 404 milliards? Christophe, non, mais tu as vu? Millions. Millions, millions, millions. J'ai compris. 404 millions d'euros. Punaise. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même autre chose. Ah, le petit mot de Lalou. Allez, le petit mot de Lalou. Bonjour, humeur du bon lundi matin. Parce que voilà. Parce que voilà. Belle journée et bisous de moi. Pourquoi se compliquer la vie? Quelqu'un vous manque? Appelez. Si je te manque, appelle. Je te mets le numéro. Non, mais je te mets le numéro parce qu'il y en a qui disent, voilà, appelle. Tu veux voir du monde? Invité, venez, venez, approchez, mesdames et messieurs. Voilà. Vous l'êtes compris, expliquez. Waza, mon ami Xavier, ça y est, les vacances sont finies. Xavier, tu sais quoi? Si tu le rencontres aujourd'hui, Xavier, il est bronzé là. Attends, je te mets la photo. Il est bronzé là, là, mais pas là. Pourquoi? Il vient du ski. Yes, on a suivi. Tu sais quoi, Xavier? Quand je voyais tes photos de ski, j'avais froid. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça s'appelle la fusion nucléaire. Human Inside. C'est le titre du bouquin du boss. D'ailleurs, je devrais le mettre ici. Ah tiens, je devrais mettre une photo du bouquin du boss ici. C'est comme ça. Human Inside. Si tu as des questions, demande. Si tu n'aimes pas, dis que tu n'aimes pas. Si tu aimes, dis-le. C'est le truc de la loupe. Vous voulez quelque chose, réclamez. Ouais, avec modération quand même. Hein. Vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Je crois que ça, c'est la plus importante. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans votre tête. C'est bien mieux de s'exprimer. C'est bien mieux de dire plutôt que de supposer et extrapoler. On n'a qu'une vie. Rendez-la simple. Ça, c'est le genre de truc. C'est vrai qu'on a l'impression, on se dit, ouais, c'est un truc qu'on lit toujours partout, etc., etc. Mais moi, c'est un truc que j'adore. Parce qu'en fait, on est souvent, hein, on passe. Moi, je suis le premier à dire que je suis timide. Donc, comme je suis timide, j'ai du mal à aller vers les autres. Oui, j'en vois qui disent, ouais, c'est pas possible. Oui, c'est possible, madame. Je suis très timide. Salut, Eddie. Eddie Jégou qui est là. Qui n'est pas là? Human Web, pas Human Inside. D'accord. André, merci, merci, hein. André, il fait modérateur de la matinale. C'est bien, c'est bien. Human Web. Ah, j'ai honte. Stéphane, si tu regardes, non, mais tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais enfin, si jamais tu tombes sur le replay, j'ai pas dit, c'est pas vrai, j'ai pas dit. J'étais en train de regarder qui a dit quoi. Je réclame un déjeuner avec toi. Xavier, dès que je finis, je me mets sur mon Skype et je t'appelle. Enfin, je t'appelle comme ça. Voilà. Oh, il y a Wardia qui est là. Wardia, mais tu n'es pas là. Enfin, je comprends ce que je veux dire. Tu es en vacances. J'ai vu des photos de toi là-bas. Tu n'es pas là. Pas là. Tu es là-bas. Bonjour. Des Seychelles. Oh mon Dieu, Wardia, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que je peux t'appeler en MP si tu es aux Seychelles? Ah, il y a des décalages horaires. Mais il fait jour. Allez, hop, je t'appelle en MP. Oh, des Seychelles. Vous n'avez pas envie de voir les Seychelles? Moi, si.
Excuse, hein, j'étais en train de bavarder, mais là, je prends ça. C'est où le truc? Il faut écrire là. Alors, le truc, c'est que Wardia, c'est à l'envers. A-Y-D. Non, non, mais le jour où elle m'a expliqué ça, j'ai cru que j'allais tomber. Voilà. Je t'appelle, je t'appelle. I'm calling you. Oh, dis donc. Ben oui, j'ai pas la même image. Normal, c'est le truc vert derrière moi. Regarde. Hop. Attends, je mets le son. Oh là là, vous n'avez pas envie de voir les Seychelles là tout de suite? T'es pas obligé de nous montrer toi, c'est pas grave si t'as un maillot de bain, tu montres la mer. Les experts utilisent le forfait de données. Oui, ok, contact en cours, oh mon Dieu, je suis excité comme une puce. Pendant ce temps, je continue hein, sur le mur. Bon, les trucs, on en a parlé hier. Alex Parnasse, des gens qui quittent Orange, ok. Le parfum inconnu accro à Apple, ça, ok. Voilà, c'est Maximone, c'est celui-là qui a fait. Oh là 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 là, là elle ne reçoit pas les appels pour l'instant. Bon, ben c'est pas grave, Wardia. Envoie-nous une photo des Seychelles. Voilà, c'est le poste qui a fait un petit peu polémique. En fait, c'est pas le poste qui a fait polémique. La France perd 11 places au classement des pays LGBT friendly. C'est pas le poste qui a fait polémique. C'est le fait qu'il y ait des gens qui ont dit oh, ça a quoi à faire dans le truc. Et donc, c'est parti. Ouais, vous êtes homophobe, etc., etc. Enfin, bon, bref. On s'est expliqué là-dessus. J'en profite pour te dire que il y aura, j'avais pas la photo de ça quelque part. Il y aura jeudi là qui vient. Donc aujourd'hui on est le 11, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi 14. Jeudi 14, il y aura un live à partir de 20h avec Nicolas Tricky, qui est à mon sens c'est le seul pro de la participation de l'intéressement que je connais. Non, je rigole, j'en connais plein. Mais c'est le seul qui a accepté de venir nous expliquer, de répondre aux questions en direct. Parce que si tu as une question sur ta participation, c'est l'occasion de venir lui parler, de dire, bon ben voilà, comment je fais, j'ai beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Bon, j'aurais bien une idée. Hein? Non, non, je te dis comme ça, voilà. J'aimerais bien changer la caméra, mettre du HD. Parce que là, c'est pas. Enfin, mettre du 4K, parce que là, c'est du HD. Hein? Bon, voilà. Et puis la 5G arrive. Donc quand la 5G arrive, Orange va pouvoir proposer à Facebook, enfin, Facebook va pouvoir nous proposer des contenus 4K en direct. Tu m'as compris? Voilà. Donc n'hésite pas. C'est jeudi soir, c'est 20h. Allez, je continue sur le. Ouh là là, ça c'est un truc qui m'a fait peur. Je sais pas comment ça passe si je fais là, si on voit. T'imagines le vent qu'il y avait chez elle? Et elle dit, bah, j'ai pas d'internet de temps en temps. Est-ce que c'est normal? Bah oui, tu penses. Ça. Le vent est l'ennemi du câble, hein, on le sait. Isabelle qui a mis ça, les gamins, j'ai vu ça. Ouais, Bouygues Télécom, alors ça, c'est le truc, les pancartes d'immeubles où il y a la fibre et tout ça qui sont arrachées. Et j'ai vu que la personne disait, enfin, disait, ouais, mais moi, j'en ai, chez moi, on les enlève, quoi faire? Cet espace de je sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'au moment des négociations avec les syndics, je crois que c'est là qu'on devrait en parler et puis dire que, ben, où on le met sous verre, tu sais, là où il y a les petites annonces, ou je sais pas. Ou alors, il ne faut pas hésiter de faire du démarchage direct, quoi. C'est pas plus mal, hein, d'aller voir les gens le soir. Ça s'appelle le porte-à-porte. Mais le porte-à-porte a fermé. Ok, j'ai dit une connerie. Ça, c'est quoi? Question RH, les CA. Ok, d'accord. Les RTT, la cabine, on a vu. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai vu des trucs quand même. Canal. Ah oui, Canal Plus. Oh là 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 là, comment ils nous ont eu ce week-end? Ils avaient dit en clair jusqu'au 10. En fait, quand tu dis en clair jusqu'au 10, ça veut dire quoi? Jusqu'au 9, jusqu'au 10 minuit, 0, enfin 10, 0 heure, ou alors jusqu'au 11, 0 heure, ou 10, 23h59. Tout le monde se frottait les mains. On va regarder le match, on va faire ci. Moi, j'étais en train de regarder un reportage sur le Grand Prix moto. Donc ça allait démarrer, hein. Enfin si tu veux, ils vont montrer le pilote, une histoire d'un pilote là, qui a signé chez KTM, et tout, j'étais là, super, ça ne m'intéresse pas trop, mais enfin bon, j'étais devant, c'était bien, c'est mieux ça que de reconnaître une connerie de série. Et puis je regardais, et puis d'un seul coup, je sais pas, je bois mon café, en même temps, tu sais comment on fait, on regarde la télé, mais en même temps on fait autre chose, donc je regarde, je faisais autre chose en même temps, et puis je me dis, mais c'est bizarre, j'ai déjà vu ça. En fait, du reportage, ils étaient partis sur un espèce de teasing qui tournait en rond. Et je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que bah, ça y est, il n'est plus en clair. Le Grand Prix moto a commencé et Canal n'était plus en clair. Bon, ben voilà, c'est la vie. Merci, c'était gentil, les 4 jours de gratuité. Voilà, les plugs. Mike Cut qui nous fait ça. Bon, écoute, a priori, plus grand-chose de ce niveau-là. Tu ne m'appelles pas, pourtant j'ai mis le numéro 100 ans. Ah, attends, j'ai vu, il y a une photo. Qui envoie? Ah, oh, Pascal a envoyé une photo. Attention. Voilà.
Ah, c'est une photo 360, super. Ah, même en bas. Alors attends, je fais iPad. T'as vu, j'ai regardé, j'ai vérifié ce que tu as envoyé, hein, que ce soit pas une connerie. Alors, putain, c'est top. Je sais pas si tu vois ce que je fais. Voilà. Ah, dis-donc, les photos. Attends, j'enlève le numéro. Voilà, comme ça, tu vois tout. Regarde ce que je fais. D'ailleurs, je crois que tu me vois bouger en bas. Comme c'est une photo 360, regarde, la classe à Dallas. Hop, tu tournes. Voilà. Et là, ah merde, tu n'as pas été au bout, Pascal Ounet. Là, c'est l'immeuble de Cœur Défense, te voilà. Cœur Défense. Ah ouais, la classe. J'adore, j'adore. La Défense, c'est un quartier que j'adore regarder. J'aime pas trop y aller le matin trop tôt. Voilà. Et là, tu as l'arche de la Défense. Et là, sur le côté, là, si je tourne comme ça, tu as la tour de EDF. Ah, elle est belle leur tour quand même. Voilà. Et là, tu as le centre commercial 4 temps. J'adore. Merci, Pascal. C'est top. C'est top. C'est top. Bon, on peut tout bouger aussi. J'adore le côté rouge, là. Voilà. Quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un à l'arche, tu dis bah, soit sous l'arche, ou alors tu dis écoute, tu vas sur la place, là, comment ça s'appelle la place? Merde! La place s'appelle le. Salut Pegasus! Salut Laurence! Salut Nathalie! Ben, j'ai que des amis de l'autre côté, mais comme ils disent rien, tu sais que. Voilà, Pegasus il a dit hello. Tu sais que quand tu arrives, pour signaler ta présence, tu peux simplement écrire un mot, coucou ou quel truc. Ah, le parvis. Ouh, Christophe, bois du café et tu perds la mémoire. Non, non, sérieux, sérieux. Tu te moques et tu verras quand tu auras mon âge. Hein, merci Pegasus. Tu as compris, tu as compris. Non, mais tu sais qu'il y a des moments comme ça. Ça, c'est comme la façon d'écrire, comme je déteste faire des fautes. Des fois, tu écris un truc. Hier, j'ai mis un truc. J'ai rien oublié. Ouais, c'était sur la photo des modos que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, je mets la photo au modo pour dire, voilà, j'ai oublié quelqu'un. Je mets, j'ai rien oublié. Je mets, j'ai rien oublié avec et. Rien oublié, j'ai rien fini. Tu sais, comme ma mère m'a tellement mis de claques en disant, tu fais, j'ai rien oublié, j'ai bien fini. Comme ça, tu sais comment tu finis. Et il y a Anthony qui me dit en commentaire, j'ai dit, parce que je lui mettais, oh là là, Facebook a reconnu les visages et modos. Il m'a mis quand même 9 noms sans que je lui donne, juste avec les photos. Et je dis, regarde si j'ai rien oublié. Oui. Et Anthony me dit, ouais, Facebook, il voit bien. Par contre, le correcteur d'orthographe, c'est pas ça. Oh, tu sais quoi? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Et j'étais là. C'est bien ce que je dis, consulte car Alzheimer te guette, papy. Exact, mais attends, de toute façon, et je te rassure tout de suite, Alzheimer nous guette tous. C'est ma chérie, elle s'occupe des personnes âgées. Donc, elle te dit que dans tous les cas, tu auras Alzheimer. Le truc, c'est le niveau. Et plus tard, c'est-à-dire que si tu as Alzheimer à 120 ans et que tu oublies peu, je veux dire, ça ne se voit pas. Par contre, si tu as Alzheimer à 50 ans et que tu oublies beaucoup, là, c'est grave. Bon, oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé une photo. Donc, je dis que quand je fais une faute, j'étais perdu. Je me dis, mais comment faire? Qu'est-ce que je vais trouver? Et tu me dis, t'as voulu sortir, mais je n'avais pas. Voilà. Donc, ce type de photo sur le parvis, quand tu en donnes rendez-vous à quelqu'un à la Défense, tu lui dis, va sur le parvis, tu fais un 360 sur toi-même et tu regardes. Quand tu vois cette statue, tu vas te mettre au pied de cette. C'est une araignée géante. Hein. Enfin, pour moi, c'est une araignée géante. Tu te mets sur un des pieds de l'araignée et tu m'attends là. Voilà. Attends, Wardia nous a envoyé une photo. Attention, attention, préparez-vous à pleurer. Voilà. Hop, j'ai mis ça. Ça, c'est juste comme ça. Est-ce que tu sens cette odeur, cette bonne odeur de. D'abord, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais elle sent bon. Ça, c'est le type de fleur au Cameroun. Je pensais que une fleur comme ça, on te met à côté du climatiseur, tu peux t'endormir. Et on vient te voler. Plein de soleil à tous et bonne semaine. Ça, c'est Wardia qui nous envoie ça. Je vois qu'il y a Noémie qui est là. Salut, Noémie. Ça, c'est la photo que Wardia nous a envoyée. Ça, il y a Julie qui est là et il y a Laurence Montero. C'est la première fois que je vois Laurence Montero. Bienvenue, c'est la matinale. Enfin, quand on dit bienvenue aux gens, on se met en pleine image. Voilà, bienvenue, c'est la matinale. Prends-toi un café. Ensuite, pour l'instant, les croissants ne sont pas encore digitaux, mais ça, on y travaille. Voilà. Hey, elle n'est pas belle, la vie? Wardia ayant bossé toute l'année, se retrouva aux Seychelles pour des petites vacances. Ça, c'est la piscine. Et là, c'est la mer. Voilà. Va dire, comme on dit chez moi. Écoute, je te souhaite de très très bonnes vacances. Allez, je reviens sur ça. Où j'étais? Je ne me rappelle plus où j'étais. J'étais en train de parler. Ah, mais j'avais fini. La machine, je te l'ai dit. Ah, les conseillers IOBSP. Il veut repasser sur sa carte classique. Ah oui, voilà. Une question d'Aurélie très intéressante.
Quelqu'un qui est passé sur veut prendre la carte Visa. Enfin, si quelqu'un prend la carte Visa Premier d'Orange Bank et qu'il veut revenir sur la classique au bout d'un moment, est-ce que c'est possible? Et la réponse a été oui, c'est possible, mais tu vas payer 10 euros. Voilà. D'ailleurs, je vais la prendre la petite. Ah, il y a Anan qui est là. Salut. On statue. Où est la statue de Calder Rouge, création de 1967. Oh, Pegasus. Ah, le puits de science. Moi, j'applaudis avec mes deux mains. Non, parce qu'avec une, c'est difficile. Non, mais j'applaudis parce que franchement, tu vois, je regarde. C'est là où on voit la différence entre toi et moi. Toi, tu es quelqu'un qui est de cultivé. Hein? Moi, je regarde le truc. Bizarrement, je suis passé à côté plusieurs fois. Je ne me suis jamais posé la question. Parce que je suppose que ce que tu dis là doit être écrit à côté. Mais en plus, je le regarde de loin. Je dis que c'est une araignée. Bon, sais-tu? Et toi, tu dis statue de Calder, rouge. Création en 1976, 15 mètres de haut. Ah oui, quand même. Il y a autre chose qui est intéressant là-bas. Pegasus, Akawipedia. Ben oui, mais très bien. Mais il nous en faut. Salut Eric. Oh, Pascal, Jeanne, Rose, Eric. La région niçoise arrive en force. Et moi, j'aime ça. Juste pour dire que le vent est glacial ce matin, couvrez-vous bien. Laurie Boissieu. Salut Laurie. LOL, 6 ans de 4 temps. Ben, c'est sûr. C'est vrai que quand tu restes très longtemps aux 4 temps, je pense que tu dois passer un peu de temps à tourner autour. Il y a un truc que tu as dû voir, Pegasus, ces espèces de bancs publics qui est très grand. J'ai une photo avec mes filles assises dessus, on dirait qu'elles sont des. Elles sont minuscules. Enfin, elles sont minuscules. Elles arrivent à monter dessus, mais le banc, il doit faire. Pour monter dessus, il doit faire 1m50. D'ailleurs, j'irai faire une matinale un jour là-bas. Ça devrait être bizarre, hein, ou une photo. Voilà. Wilger qui parle de c'est maintenant qu'on ouvre les yeux, les gens ont fait une étude de marché. Ah oui, c'est un truc qui dit que les consommateurs ne veulent plus mettre autant d'argent sur les téléphones. Ah ben figure-toi que qui a écrit ça. C'est Business Insider. On va voir, hein, on va voir. Parce que là, normalement, ils ont pété les 2000 euros avec le. Je crois que c'est Huawei avec le sien qui a 2400 et quelques. Je demande à voir ce que ça va donner. Je demande. Ouais, parce que c'est pas dit, hein, c'est, tout ça c'est bon. Il y a Anan Lalou Lamani qui est là, je crois que c'est la première fois que je te vois dans la matinale. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, merci d'être avec nous pour la matinale. J'ai oublié de regarder à combien on était. Oh punaise, 37 minutes, vous allez dire que je vous prends trop de temps. Bon, c'est tout, j'ai compris. On se donne rendez-vous demain pour une autre matinale. Je te fais remarquer quand même que personne ne m'a appelé sur Skype. Personne n'a dit, ouais, appelle-moi sur Skype, voilà mon nom. Personne ne m'a appelé sur le numéro de téléphone. Hein, pourtant, il est écrit là, voilà, le numéro de téléphone. Personne. Hein. Voilà. Quand même, des gens ont envoyé des photos. Ça, je remercie du fond du cœur parce que c'est super bien. Oh, j'adore. Anna m'a dit, cher ami, j'adore, cher ami. En dehors de Jeanne qui m'a invité à faire une matinale sur la promenade des Anglais un de ces matins, personne ne m'a invité. Voire même, j'ai des amis qui m'ont invité, mais qui n'en parlent plus. Hein, Pascal? Python, hein? Non. Que les choses soient claires. Guyancourt risque de me voir un jour, mais bon, on va savoir. Benjamin est là. Salut, ce serait marrant de voir l'origine du monde en fond derrière toi. Benjamin. Donc, Benjamin, on a parlé. J'allais partir, mais voilà. C'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui m'accroche au dernier moment. Alors, Benjamin. Désolé, t'inquiète, je retente de planifier. Ok. Salut Isabelle. Ok. L'origine du monde. Pour ceux qui ne savent pas, l'origine du monde, c'est une. En fait, c'est un bas de femme, parce qu'on ne voit pas sa tête, qui a les cuisses relativement écartées. On ne peut pas dire autrement, mais les jambes écartées, voilà. Et qui est comme ça. La photo est d'ailleurs censurée par Facebook lui-même. Et c'est une photo qui est parue quelque part. Et Facebook a mis plein de petits F à la place de son entrejambe, hein, de ses poils et tout. Et moi, honnêtement, encore une fois, là, j'avoue, je ne suis pas. Je suis inculte. Bubu m'invite à l'opéra. Oui, bien vu, pour une entrecôte. Ah, bah oui. D'ailleurs, l'entrecôte, peut-être même cette semaine. Hein. C'est vrai qu'il parle d'entrecôte, ça y est, j'ai faim. Passons, je parlais de l'origine du monde. Et c'est vrai que je me disais, tu vois, une photo, on pourrait mettre une photo derrière moi et s'arranger pour que ma tête soit cache les parties intimes de la dite photo. Sauf que les origines du monde, je ne sais pas de qui c'est, on me l'a dit, j'ai oublié. Eh ben, j'en ai parlé en plus qu'on était avec Pascal, machin. Cette photo-là, cette peinture-là, je la trouve pas belle. Non, mais attends, il faut avouer ce qui est avouable. C'est pas parce que l'artiste est connu et reconnu et que la toile coûte des millions que tu es obligé de trouver ça beau. Moi, je ne. Non, honnêtement, je ne trouve pas ça beau. Et pourtant, Dieu sait,
Dieu sait si, voilà, une courbée, voilà, courbée. Eh ben non, je trouve pas cette, je trouve pas ce que la femme est mise en valeur là-dessus. Alors ouais, ce week-end j'ai vu un truc qui était, on parlait de clitoris, qu'il y avait des clitos qui étaient affichés par une des trucs. Ben, à la limite, j'allais presque dire, voilà, c'est stylisé, c'est autrement. Mais courbé, je n'aime pas, j'ai pas beau. Donc si, par contre, Pascal Courtin, de ce coup-ci, non, parce qu'il y a tellement de Pascal. Il y a beaucoup de Pascaux, donc je dis Pascal Courtin. Si tu veux me faire une belle photo dans le style de l'origine du monde, mais tu vois, plus stylisé dans tes noirs et blancs que tu connais, légèrement épilé aussi, quand même, parce que c'est plutôt la mode, les poils. Il parle tout doucement. 1866, il n'empêche. Il n'empêche. Mardi, jeudi, vendredi, quand tu voudras. Ok, Bubu, je te dis ça. Donc voilà, et tu sais que là, j'étais en train de partir. C'est Benjamin qui m'a rattrapé au machin. Parce qu'en fait, avec le décalage, il a dû entendre l'histoire des photos. Et il a dit, je vais mettre mon grain de sel. Je sais que le vieux, je vais lui dire ça et ça va le faire démarrer en flèche. Voilà. Mais non, non. Allez, non, Courbet, s'il te plaît. Si tu nous regardes, franchement, ta toile, c'est surfait, comme on dit. Ah, un bébé qui dit les poils, forcément, bébé, il en est couvert. Non, mais on va pas rentrer dans un débat poil pas poil à 8h41. Moi, je te le dis, évacuons déjà cette histoire de poils. C'est la toile de Courbet en elle-même. Voilà, non, 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 non. Je suis sûr qu'il de toute façon, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Et il y en a beaucoup qui doivent dire, ouais, c'est bien, mais la punaise quand même, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on peut faire des trucs fantastiques. Tu veux une photo de Bubu et de la casserole? J'allais presque dire que Bubu et la casserole, au moins, ça a le mérite de faire rire. Alors que Courbet, enfin, moi, je demande, qui est ému devant. Attends, on va faire un sondage. Qui est ému devant la peinture de Courbet? Enfin, bref, je sais pas, moi. Non? Bon, on est en train de partir. Je te souhaite une excellente journée. Profites-en bien. Je te rappelle qu'on sera là demain matin, comme d'habitude. Les femmes, les vraies, adorent mes poils. Ah, oh. Ça veut rien dire. Et en plus, c'est dégueulasse de dire les vraies. Ça veut dire que celles qui n'aiment pas les poils ne sont pas de vraies femmes. Attention, Bubu, tu files un mauvais coton. Je te dis ça, je dis rien. Donc, on se retrouve demain. Prends soin de toi. Si tu rencontres quelqu'un dans son anniversaire, fais-lui un gros bisou et offre-lui une coupe de champagne. Jeudi, spécial participation en live. Et puis j'attends toujours ton invitation pour venir avec toi faire une matinale là où tu es, quand tu veux. Allez, bye bye. Non, 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 bye bye, c'est fini. Je ne me laisse plus distraire. Bye bye.